Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on va faire une présentation d'un jeune joueur de l'Olympique Lyonnais. Et ce joueur, il s'agit de Lucas Touzard, un joueur qui alterne pour l'instant entre le groupe de CFA et le groupe pro de l'Olympique Lyonnais. Lucas Touzard est un milieu de terrain de 18 ans et il est le seul joueur surclassé en équipe de France U19 qui a fini demi-finaliste de l'Euro en été 2015. Il a commencé le foot à l'âge de 5 ans à Rignac. Ensuite, il est parti au Pôle Espoir de Castelmouroux, puis il signe au Rodez Aveyron Football où il fait 3 saisons. Enfin, Lucas Toussard signe à Valenciennes en 2013 alors qu'il a juste 16 ans. Il y dispute 18 rencontres de Ligue 2. Le 31 août 2015, il signe enfin à l'Olympique Lyonnais alors que plusieurs clubs tels que le Standard de Liège, Anderlecht, Southampton, Tottenham et d'autres clubs de Ligue 1 le suivent. C'est un joueur qui aime jouer vers l'avant. Il peut jouer en tant que milieu relayeur, mais il préfère être aligné en tant que milieu défensif. Et Lyon l'a donc recruté pour préparer l'avenir en cas de départ de Maxime Gonalon. Il ne craint pas le duel et il se met au service du collectif grâce à son bon jeu de tête. Son ancien entraîneur, le frappeur, le comparait même à Didier Deschamps. Il mesure 1m85 et pèse 83 kg. Au départ, Valenciennes ne voulait pas le vendre car il comptait sur lui pour la saison. Mais Toussard, qui était très motivé par le projet lyonnais, a finalement réussi à les convaincre. On évoqua, au début, un transfert avec un prêt direct d'une saison à Valenciennes. Mais Jean-Michel Aulas le voulait directement pour qu'il puisse disputer la Ligue des Champions avec les U19. Il signera finalement un contrat de 5 ans jusqu'au 30 juin 2020 pour une valeur de 2,5 millions d'euros, plus 1 million de bonus éventuels.